Salut Sabran, dans cette vidéo, je te parlais du marketing de boules d'âne. Alors, je ne sais pas d'où elle sort cette expression. C'est un email que j'ai reçu, c'est même deux emails que j'ai reçus. Donc, je vais te parler de tout ça. On va parler business, je vais te montrer comment faire du business sur Internet et tout ça rapidement, avoir des revenus rapidement sur Internet. Je vais m'asseoir à la terrasse de ce café désert. Et nous, on va démarrer. Juste avant, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications et regarde, moi, ça, des pizzas, des pâtes, des steaks, des sandwichs, de tout ce que tu veux. Allez, on démarre. Allez, je suis en train de squatter la place là tranquillement. Donc, il n'y a pas si longtemps, il y a un mec qui a répondu à un de mes emails en écrivant boule d'âne dans le sujet, suivi de ce message d'espoir et de changement. Donc en gros, il disait, j'adore vos emails, vous les envoyez simplement trop souvent. Je suis bien trop occupé pour lire chacun d'entre eux tous les jours. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils s'accumulent dans ma boîte de réception, ce qui m'inquiète car je suis un monstre de suppression des emails. Mais je refuse également de sortir de votre liste parce que j'apprends à devenir un dieu marketing en appliquant vos stratégies exactes à mon business. Donc je suis déchiré. Yann, s'il vous plaît, envoyez-les simplement moins souvent. Merci d'avance. Bien à vous, en l'honneur et en humilité. Alors j'enverrai les emails trop souvent, mais il est quand même reconnaissant parce qu'il en apprend beaucoup. Bref, donc ma réponse à tout ça, en fait, j'en ai pas qu'une de réponse. J'ai déjà dit des milliers de fois ce sujet-là. Donc au lieu de cela, je répéterai ce qu'un autre lecteur a dit à la même époque. C'est vraiment marrant comment tu vois ce genre de timing fonctionne. T'as un truc négatif et un truc positif qui arrive juste derrière. Donc salut Yann, est-ce que les gens vous écrivent vraiment et se plaignent que vous les envoyez trop d'emails? Ne sont-ils pas sur votre liste pour savoir comment envoyer les emails? N'est-ce pas regarder comment vous envoyez et ce que vous envoyez comme une formation gratuite au plaisir de demain, Jeff? Et donc, je suis complètement d'accord avec Monsieur Jeff. Mon marketing d'âne semble si évident, en fait. Mais les choses les plus évidentes sont également les plus manquées. Sur cette note, au fil des années, diverses personnes m'ont demandé mon opinion sur la manière de créer un business hallucinant sur Internet. Et pour avoir ma réponse là-dessus, donc tu peux cliquer sur le bouton jaune qui est en haut en bas. Si tu es sur mon site Internet, si tu es sur YouTube, le petit qui est là, ça t'envoie vers une autre vidéo. Cette autre vidéo, justement, on va parler de création de business hallucinant sur Internet. Nous, regarde mes mains. Mes mains, elles sont en train de cailler, elles sont en train de muter, de muer. Je ne sais pas ce qui se passe chez moi, là, mais il fait un froid. Donc je te laisse cliquer là-dessus et on va parler marketing, on va parler business, on va parler internet, on va parler tout ça. Et je te retrouve tout de suite dans cette autre vidéo.